Mars, 6 h du matin. Nous assistons à la fête du temple de Kapaleshvara dans les faubourgs de Madras. Une fois par an, on sort cet immense chariot du temple et on lui fait faire solennellement le tour de l'enceinte du grand bassin. C'est un voyage d'un kilomètre, il faut 5 heures pour l'accomplir. Les chariots qu'on retrouve dans tous les temples du sud sont en bois sculpté. Extrêmement lourds, très peu maniables, ils n'ont ni frein ni direction. Ils n'ont pas d'âge non plus. On ne les a pas changés depuis des siècles. On remplace les pièces usées au fur et à mesure. À l'intérieur du chariot se trouvent des prêtres. Chaque fois qu'on s'arrête, ils bénissent les offrandes qu'on leur monte dans des paniers, des noix de coco et toutes sortes de fruits. Il y a un important service d'ordre, des policiers, des soldats et aussi des fidèles plus ou moins déguisés en boy scouts. Depuis les étages des maisons, on arrose le cortège de trombes d'eau. C'est un rite et aussi un rafraîchissement bienvenu. Des centaines de fidèles tirent le chariot. C'est un jeu épuisant et dangereux. Pour le faire démarrer, il faut un levier et plusieurs hommes. Pour l'arrêter, on jette des cales sous les roues. Le chariot glisse sur 20 mètres avant de s'immobiliser. À tout moment, on croirait que l'ensemble va verser.
Au début, on a peur. Peur de cette foule qui hurle, peur de ce mastodonte dont on se demande s'il ne va pas défoncer une maison ou écraser une grappe de fidèles. La chaleur humide, suffocante, infernale, renforce encore cette impression de transe collective où l'on se libère de tout, où les riches et les pauvres se mêlent, où les castes n'existent plus, où chaque individu s'abandonne lui-même pour se fondre dans une personne unique, une collectivité sans visage et sans nom. Nous avons été pris dans cette folie. Nous sommes rentrés dans la foule, tournant bobine après bobine, bousculés avec eux, arrosés avec eux, heureux avec eux. Un instant, j'ai cru oublier qui j'étais. Je faisais partie d'autre chose, je m'y intégrais, je m'y perdais corps et âme. Bien sûr, à Paris, devant ces images, on peut les regarder autrement. On peut y voir un Moyen-Âge indien, l'obscurantisme, l'exploitation de la crédulité, le fétichisme et l'opium du peuple. Pour nous, ce matin-là, nous avons suivi notre instinct, nos sens, notre émotion, pas nos idées. Quitté la foule à la fin de la matinée, épuisé à bout de force. Pendant 5 heures, nous avions vécu d'une autre façon, à un autre rythme. Dans cette inlassable répétition des mêmes gestes, dans cette accumulation des visages, le temps avait disparu, il avait complètement cessé d'exister.